se passe ce ballon. Et Kylian, malheureusement, gâche une belle occasion, la approche le clou. La réaction est immédiate des Strasbourgeois, c'est une fin de match absolument folle. Et c'est l'arrière droit, Mohamed Zimakan, qui avait le ballon, va donner à Zoui maintenant. Zoui, oh là là, bien joué, le ballon va sortir. Le ballon va sortir à 6 mètres, c'est bien. Pedro se met en opposition. À 6 mètres, se termine ce match à quasiment 5 défenseurs. Et les Alsaciens jouent le jeu jusqu'au bout, dans la position qui est la leur, et ne peuvent pas faire autrement. Mais ils vont l'avoir amer, autant que les Montpellierains l'auront modeste. Voilà, ceux qui vont, si on en reste là, les Strasbourgeois l'auront forcément amer, mais nous, nous l'aurons forcément modeste. Je vous laisse cogiter, hein, parce qu'à 4-3, contre le 19e, bon, l'essentiel était de gagner. Oh là là, bel ascenseur sur Andy Delors de Koné. Et bon, coup de sifflet immédiat de l'arbitre, bien sûr. Lamine qui est monté très généreusement sur les épaules d'Andy. Brillant sandwich d'ailleurs c'est Zimakan qui était là. Donc Andy était aplati entre les deux Strasbourgeois. Il se relève quand même. Allez, un petit doliprane, il n'y paraîtra plus rien. Le coup franc est joué. Donc c'est Youn maintenant. Allez, faut garder le ballon, Ilok. Voilà la passe derrière pour Ristich. Andy Delors, déviation, allez, elle est pas mal la déviation de Savanier pour Youn dans la surface de réparation. Youn à la lutte avec Liénard, c'est le Strasbourgeois qui est plus solide, il fait un gros effort, Ilok, mais voilà, Liénard était indéracinable dans sa surface de réparation et il a pu récupérer cette balle. Je regarde le chrono, il reste 30 secondes à ma montre, 30 secondes dans le temps additionnel, mais les Alsaciens ont peut-être un tout dernier ballon, l'un de leurs derniers ballons en tout cas, pour espérer assommer le MHSC. Ah, si on gagne ce match, ce sera important comptablement, mais bon, ça donnera matière à réfléchir, à revoir les images, parce que il y aura des conclusions à tirer d'un match pareil, je vous le dis. Allez, c'est le dernier ballon pour Strasbourg, mes amis. 93e minute, le centre de Sissoko. Et il est monté haut, très haut, Diallo, dégagement de Vito Hilton. Et c'est fini, tout un symbole. Le dernier ballon dégagé par Vitorino Hilton, remplaçant des deux dernières minutes. Eh bien, on respire aux côtés montpelliérain, franchement, on respire. C'est une victoire, certes à l'arraché, une victoire sur le fil, 4-3. Nous n'avons pas été... On est vraiment bien heureux que l'équipe soit parvenue à remporter ce match. Mais franchement, ça n'a pas été aussi facile. Alors bien sûr, il y aura ceux qui penseront que c'est beau de marquer 4 buts. Bien sûr, il y a ceux qui penseront que c'est préoccupant d'aller encaisser 3 sur son terrain. Mais à l'arrivée, les 3 points de la victoire sont pour le MHSC. Voilà, on a fini, c'est terminé. Le score au final, 4-3 pour Montpellier. Pas facile, mais dans la poche, ce sont des points que nous n'irons pas chercher ailleurs et qui vont certainement, pour le coup, nous permettre de rester, comme on dit, dans le bon wagon. Voilà, j'espère que vous avez passé un bel après-midi en notre compagnie, chers amis. J'espère que vous serez convaincus que nos retransmissions nous permettent de passer ensemble d'excellents moments, comme depuis tant d'années. Et j'aurai le plaisir, pour ma part, de vous retrouver la semaine prochaine en direct du stade du Moustoir, puisque les Montpellierains de Garzac iront rendre visite aux promus, l'Orienté, les Merlus, là-haut, en Bretagne. Voilà, je vous embrasse. Merci encore d'être là. C'est pour ça que je suis là. À très bientôt. Salut.